to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get... Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous prendre avec moi. J'ai pas mal de petites choses à faire puisque ce soir je reçois du monde à la maison vu que c'est l'anniversaire de ma sœur. D'ailleurs, je n'ai toujours pas acheté son cadeau. Enfin, faut que j'aille le chercher. Sachant que j'ai une petite surprise pour elle, mais je vais vous emmener avec moi bien évidemment, vous vous doutez, puisque ça va concerner Noël. Dans le sens où ma sœur, elle est bon, elle est, c'est pas qu'elle déteste Noël, loin de là, elle aime ça, hein, mais la déco de Noël, voilà. Or, moi, on ne peut pas passer les fêtes de Noël sans un sapin chez soi. Donc, je lui ai acheté un tout petit sapin, genre il fait 60 cm, il est vraiment tout petit, je pense même qu'il n'est pas non plus hyper fourni. Mais du coup, il faut quand même l'agrémenter, donc je vais aller chercher des boules aussi pour continuer dans ma bêtise, clairement. Donc je pense qu'on va passer à action, voir ce qu'on a. Et du coup, je vais quand même passer aussi et lui acheter son cadeau. Je pense que je vais lui prendre une carte cadeau à Cultura. Donc, faut que j'aille faire ça aussi. Elle vient manger ce soir à la maison, donc faut que j'aille chercher de quoi faire le repas. Et du coup, comme je vous ai dit, il y a du monde ce soir à la maison. Ils viennent pour le dessert, donc faut que je prépare du coup tout ça. Il faut aussi que je fasse un petit coup de rangement dans la maison, un petit coup de ménage vite fait, genre aspi, voilà. Deux, trois trucs comme ci, comme ça. Je vais pas faire non plus un gros ménage parce que clairement, j'ai pas le temps. Sachant qu'il faut que j'aille récupérer Jojo à l'école à 16h et tout. Enfin bon, bref. Pas mal de petites choses à faire. Je vais vous prendre avec moi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit rangement de la maison très vite fait et après du coup je vais aller au magasin chercher tout ce qu'il me faut, bien évidemment je vous prends avec moi et on va commencer par le canapé, of course, comme d'habitude le canapé, c'est pas possible ce canapé, je n'en peux plus. Don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies. Yeah, promise I won't forget. Yeah, maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let. Qu'est-ce que tu fais, Milly? Tu m'expliques? Bichette, le plaid, il est pas à toi, mon cœur. Mais me regarde pas comme ça. Tu veux que je te laisse le plaid? C'est ça? Ben, il suffit de demander. T'es dans le coin, là. Allez, viens, je vais t'enlever le plaid, je vais te le remettre. Maman, beauté d'amour, fais-la malheureuse. Elle a bobo au nez, elle s'est fait un bobo au nez, je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a fait. Mon cœur. Oh les chiens, je vous jure. Hein. Et... Mon amour. Bye, baby, bye.
Bon, du coup, après avoir remis le plaid à Milly, petite capricieuse qui voulait absolument son petit plaid, je suis passée du coup dans la chambre à Giulio, chambre du coup dans laquelle il dort plus. Donc du coup, on la laisse vraiment limite à l'abandon cette chambre, même s'il vient toujours y jouer et tout ça. Mais du coup, on range les jouets puis c'est tout. Et en fait, on range pas réellement correctement. Donc du coup, là ce matin, je suis revenue faire le lien un petit peu parce que comme vous avez vu, on s'était servi de la couverture pour se mettre au chaud sur le canapé et tout. Enfin bref, on avait tout remis comme ça. C'était un peu le bazar. Donc du coup, je viens ranger un petit peu sa chambre. Il y avait des jouets dans le lit qui étaient éparpillés de plusieurs jeux en plus de ça. Donc j'essaye de remettre un petit peu d'ordre, même si je sais que ça va pas durer longtemps. Mais histoire quand même de toujours garder un petit rangement dans cette chambre-là. Après, je suis passée du coup à la cuisine et là encore une fois, j'ai fait un petit ménage. C'était juste vraiment pour ranger un petit peu puisque bah, clairement, je savais très bien que ça allait être ressali avec le repas du midi. Alors bon, même si après, c'est pas une excuse pour laisser sale, hein, mais voilà, c'était pour éviter de trop en faire puisqu'il était déjà 11h passé. Donc juste mettre un petit coup histoire que ce soit propre et rangé. Comme ça m'évitera de devoir faire tout ça cet après-midi. Ça me libérera du temps et bien évidemment, je suis toujours en train de faire des vocaux à une amie à moi, toujours avec le téléphone. Le matin, c'est notre tremplin à elle et moi. On se fait des vocaux tous les matins et on se raconte nos vies, mais tous les matins. Genre, on se raconte ce qui s'est passé l'après-midi en 10 minutes de vocaux, alors que ça se trouve, on n'a rien fait, on est resté avec les enfants, quoi. Non, mais c'est toute notre vie, ça. Bon, du coup, j'ai rangé l'appartement. Enfin, j'ai rangé, voilà, vous voyez, c'était pas non plus trop le bazar. Mais j'ai fait le canapé, j'ai rangé la chambre à Giulio. Bah là, c'est déjà rangé. Bon, la cuisine, je l'ai rangée, mais du coup, là, c'est les 2-3 trucs pour moi. Et là-bas, c'est déjà bien rangé. Donc, du coup, ça, c'est cool. Il va falloir que je lance une machine. Donc, je vais faire ça après. Mais j'ai lavé un plaid. Parce que du coup, je suis obligée de relaver tous mes plaids. Vu que la Miss Tinguette, là-bas, a eu ses ragnagnas, elle ne les a plus. Donc, du coup, il faut que je lave tous les plaids. Et d'ailleurs, il va falloir que je lave celui de là-bas, mais je me demande limite si je vais pas le jeter parce que j'ai vu qu'il était déchiré à force de gratter, elle l'a déchiré. Donc je pense qu'il va partir à la poubelle, mais du coup faut que j'étende ça avant de partir, faut que j'y pense. Sinon je vais me faire une liste parce que j'ai trop de choses à acheter. Donc là je voulais juste vous montrer le petit sapin que j'ai pris, voyez, c'est vraiment le truc tout petit, je l'ai payé 3,99 à Carrefour, vraiment pas cher. Et c'était vraiment pour faire une bêtise, une blague, hein. Mais c'est vraiment la blague. Mais je vais aller à fond dans ma blague, c'est pas grave. Hein. Je vais voir si je peux lui trouver un tour et tout. Enfin, vraiment, genre, je vais y aller à fond dans ma blague. Bref, donc du coup, faut que je mette que à Action, faut que j'achète des boules. Et du coup, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais acheté ça en Espagne pendant notre. Bah, c'était notre séjour, enfin, notre. Comment on appelle ça là? Bref, après le mariage, on était partis une semaine du coup en Espagne et j'avais trouvé ça. Et je connais, enfin, je savais pas que ça s'achetait déjà, vous savez, les trucs qui sont presque déjà tout faits. Pour faire des macarons, je trouve ça vraiment sympa. Parce que les macarons, c'est chiant et c'est long à faire. Donc, je vais regarder ce dont j'ai besoin pour les terminer. Parce que normalement, il faut toujours ajouter des œufs ou de la crème ou des choses comme ça. Donc, je vais voir, mais ça m'a l'air bien compliqué parce que c'est pas écrit en français. Mais bon, je vais voir ça et je vais me faire du coup ma petite liste parce qu'autrement, je vais tout oublier. Keep on telling lies. That is how we stay alive. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. We keep moving in different rhythms. Still I know what you feel. We keep moving. Bon, j'ai ma liste. J'espère que je n'ai rien oublié. Le manteau, le sac, clé, et on y va. C'est parti. Du coup, j'ai trouvé celui-là, mais j'ai oublié que j'allais complètement oublier. Il faut que j'aille chercher une guirlande LED parce qu'autrement, ça va être moche. Donc, go aller chercher de la LED maintenant. Le magasin est plein. C'est un truc de dingue. Et je suis trop contente d'avoir trouvé. Du coup, changement de plan. J'ai trouvé des boules bleues, comme ce que ma sœur, elle aime. Sa décoration chez elle, elle est un peu dans les bleus. Donc du coup, je lui ai pris bleu plutôt. Je trouve que c'est mieux, ça va aller en plus dans sa déco bleu et argenté. C'est ce que je voulais au départ, mais je trouve que c'était compliqué à trouver. Donc je pensais pas trouver. Et je lui ai pris du coup ces LED là. 140, je pense que ça va suffire pour le petit sapin 60. Donc écoutez, voilà.
Je pense que ça fera amplement l'affaire. Là, je fais un petit tour. D'ailleurs, ils ont mis tous les papiers cadeaux. Il y en a des tonnes et des caisses. Je fais un petit tour pour regarder un petit peu et puis je pars ailleurs. Ils ont plein de produits, c'est un truc de dingue. Ça fait très longtemps que je suis pas allée, que j'ai pas regardé. C'est quoi ça? C'est de l'huile d'argan. Ça a l'air pas mal. Bon, du coup, deuxième magasin. Et là, je peux vous assurer que ça me fait mal. Ça me fait mal d'aller là-dedans pour aller lui chercher sa carte cadeau. Parce que comment vous dire que là, il va falloir que je passe quand même regarder un petit peu les livres qu'ils font. Mais alors là, clairement, ça risque d'être très compliqué de ne pas craquer. Oh my god. On rentre, c'est parti. J'ai déjà envie d'acheter tout le magasin de livres. Ça y est, c'est parti, c'est parti. Je vais faire un craquage ou pas? Non, je reste soft, je vous le jure. Faut que bon, je me calme. Ça fait clairement presque 30 minutes que je suis dans les livres. J'en peux plus. J'ai tous envie de les acheter. Déjà, cette collection-là, je la vois partout sur TikTok, enfin le réseau BookTok. J'ai trop envie de les acheter. Mais comme je sais que Papa Noël est là, je vais me faire une petite liste et je vais commander à Papa Noël des livres. Mais franchement, il y en a gavé. Il y en a gavé que je veux. Déjà, je veux le troisième de la trilogie là, de Alice des Merveilles. J'ai déjà lu les deux. Il me manque plus que celui-là. Mais je le veux. Je le veux trop. Et après, lequel j'ai vu aussi que j'ai dit je veux absolument. Je sais plus où il est. Oh là là, mais franchement, les livres, c'est vraiment... Ah, il y a Léander aussi, je l'avais vu sur TikTok. Je sais pas, faut que je refasse mes ongles aussi. Hein. Mais là, je viens de prendre au moins une trentaine de photos, sans vous mentir. Clairement, parce qu'il y en a beaucoup trop, c'est pas possible. Ceux-là aussi, je les veux, je les vois partout sur TikTok. Oh, partout, 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 partout. Mais il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, c'est trop pour moi. Bon, allez, j'arrête et je vais aller chercher la carte cadeau pour ma sœur. Mais oh mon dieu, rien que ceux-là aussi. Ceux-là aussi, je les ai vus. Non, c'est pas ceux-là, c'est ceux-là, pardon. Ceux-là ont l'air trop bien. Attendez, je vais aller jeter un coup d'œil là-bas, aux petits. Ceux-là ont l'air pas mal. Et en plus, du coup, avec Noël, regardez, ils ont sorti les belles éditions. Oh, celui pour Hadès et Perséphone, franchement, elle est magnifique. Hein. J'ai jamais vu une édition aussi bien faite. Bon, je sais pas si dans ma team, vous lisez ou pas. Moi, je lis, mais Dark Romance, non. Parce que je ne suis pas prête encore à lire de la Dark Romance. Donc voilà. Mais franchement, il y en a plein qui sont beaux. Celui-là aussi, Attracted, il est pas mal. Et j'en ai vu un autre. C'est lui. C'est Russian Mafia. Franchement, il est trop beau. Oh, la couverture est magnifique. Et tout le contour en rose. Il est vraiment très très beau. Et il est à quel prix? Il n'y a pas le prix. Qu'est-ce que c'est ce délire? Ah si, 21,90. En vrai, ça va. Pour un livre beau comme ça, je trouve que ça va. Mais ils sont vraiment tous très beaux. Celui-là aussi, il est pas mal en vrai. Oh là là. Bon, allez, je m'en vais. Je m'en vais, 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 je m'en vais. Bon, je suis sortie de mon cauchemar. Le plus gros cauchemar de toute ma vie. Et en même temps, genre le paradis sur Terre. Et là-bas, j'ai acheté du coup sa petite carte. Donc c'est parti maintenant, Lidl, pour aller acheter ce qu'il faut pour ce soir et pour le gâteau. Et on rentre. Bon, je suis enfin rentrée à la maison, j'ai tout acheté, les cadeaux sont là, j'ai sorti le papier cadeau bien évidemment. Est-ce que vous pensez que j'aurais pu regarder avant d'aller au magasin s'il me reste du papier cadeau? Il ne m'en reste presque plus. Donc j'ai un restant de nappe de l'anniversaire des 2 ans à Giulio. Écoutez, ça fera l'affaire là, je vais pas me prendre la tête et je vais pas retourner au magasin. Ça va être vraiment la vidéo, ouais, c'est, vous voyez que rien n'était prévu quoi. Du coup, j'ai fait quelques courses, donc je me suis pris des chips pour ce midi. Pour ce soir, du coup, je vais faire un flan aux œufs avec, du coup, comme je vous ai dit, les macarons au chocolat. J'ai quand même fait quelques courses pour là terminer le mois parce qu'après j'aimerais bien me mettre à faire attention à tout ça parce que j'ai perdu un petit peu de poids et j'aimerais continuer à perdre un petit peu de poids. Donc du coup, je vais vous faire des petits meal prep et tout ça, machin, machin. Donc, faut que je parte sur une bonne base de course et tout ça. Donc là, j'ai juste fait pour terminer le mois. Donc, j'ai acheté des petits rôti burgers comme ça. Je connais pas du tout. C'était pas très cher, à 4 euros et quelques au lieu de 5 ou 6 euros, je crois. J'ai pris de l'eau de lardon comme ça. Du blanc de poulet, pareil. De l'eau. Des poivrons. Une poêlée déjà toute faite. Ça, c'est rapide, c'est bien. Même si c'est pas très bon, mais c'est pas grave. Des raviolis, pareil. Déjà tout fait, c'est parfait. Du fromage à raclette. Pâte feuilletée.
pâte à pizza. Je vais y arriver. Pâte feuilletée, pâte à pizza. Et ça, j'ai pris ça pour ce midi. Je viens de vous dire, il y a 10 secondes, que je voulais faire attention parce que j'avais perdu du poids. Mais bon, là, c'est parce qu'il faut que je mange sur le pouce. J'ai trop de choses à faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça au four. Je vais en mettre qu'une seule, hein. Parce que je ne mangerai jamais les deux. Je vais en mettre, mais la deuxième était à moins 60% ou moins 40%, je crois. Donc, en vrai, ça valait trop le coup. Le 1,49€, je crois que je payais 60 centimes. Donc, je crois que c'était moins 40, je ne sais plus. Donc, je vais en mettre une au four avec mes petites chips. Et ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais du coup emballer tous ces cadeaux. Voilà, comme ça, au moins, ce sera fait. To each other, I know we feel the same about the situation. Bon, du coup, j'ai terminé mes petits paquets cadeaux. Voilà. Bon, écoutez, franchement, ça va avec l'histoire de la nappe là. Bon, c'est pas hyper jojo, hein, on va pas se mentir. Mais écoutez, franchement, ça a fait l'affaire, vous voyez. Et au moins, ça évite de gaspiller parce que clairement, cette nappe, je sais pas du tout quand est-ce que je m'en serais resservie. Donc là, vous voyez, bah voilà. Ça m'a permis de pouvoir m'en servir, sachant qu'en plus, du papier cadeau, c'est quelque chose qui va aller à la poubelle. Alors certes, c'est joli, mais là, voilà, j'avais pas autre chose. Mais je pensais que j'en avais plus, mais j'avais oublié que j'avais fait l'anniversaire de la petite cousine de Giulio. Et du coup, j'en avais utilisé. Donc tant pis. Voilà, donc là mes petits cadeaux, bêtises, clairement, enfin bêtises, je sais qu'on va rigoler. Et du coup, la petite carte cadeau qui est trop belle. Voilà, ça c'est fait, je suis trop contente, mais maintenant je vais manger puisque ben ça y est, c'est cuit. Donc on passe à table parce qu'après il faut que je passe l'aspirateur parce que là c'est cracra par terre. Je sais pas si je peux vous montrer, mais voyez, voilà, il y a des trucs de partout, c'est sale. Clairement, c'est sale. Donc, il faut que je fasse l'aspirateur. Et il faut absolument que je puisse faire, du coup, au moins les macarons. Le flan, je pourrais très bien le faire avec Giulio. Mais là, les macarons, non. Enfin, trop compliqué avec lui, je pense. Donc, que je fasse ça. And like we're stuck inside a game. Time to get out of this circle. Yeah, we both carry a scar.
Du coup, une fois que j'ai terminé de manger, je suis passée un petit peu au rangement. Donc j'ai fait la vaisselle, j'ai rangé un petit peu la cuisine, j'ai passé un petit coup de nettoyage sur ce que j'avais sali, bien évidemment. Enfin voilà, vraiment un petit rangement et un petit ménage. Un petit peu comme ce qu'on fait quotidiennement, c'est même pas réellement un rangement ou un nettoyage. C'est vraiment de l'entretien quotidien parce que on mange, parce qu'on vit tout simplement. Donc du coup, voilà. Cherish who we are. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance. Not like anything we've done before. Oh, yeah. Now it's time for something better. And time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Oh, come run away. Évidemment, ce matin, je vous ai dit qu'il fallait absolument que j'étende la machine que j'avais lancée. Donc, c'était mon plaid avant de partir pour en lancer une autre. Sauf que je crois que j'étais tellement pressée et omnibulée par aller acheter mes boules et mes guirlandes LED parce que clairement, je voulais trop voir sa tête. Et je peux vous assurer que anniversaire passé, je peux vous dire qu'est-ce qu'on a ri. On a ri, franchement, c'était vraiment beaucoup trop drôle. Elle s'y attendait pas. Mais quand elle a ouvert le premier cadeau, elle a capté, bien évidemment. Et c'était tellement drôle. Mais j'attends toujours la photo du sapin monté, vraiment. Donc, il y a intérêt à ce que je la reçoive, cette photo. Mais vraiment, c'était très, très drôle. Donc, j'étais trop contente d'avoir fait ma blague. Mais je disais, du coup, j'étais tellement pressée d'aller au magasin chercher ce qu'il me fallait que, du coup, j'en ai complètement oublié d'étendre ma machine. Donc, du coup, j'en profite pour étendre ma machine pour pouvoir relancer, du coup, la suivante et ne pas être en retard dans les machines. Puisque, comme vous savez, c'est un gros point faible chez moi. C'est les machines, le pliage, le linge, tout ça. C'est pas ma tasse de thé. Mixed emotions, the first step is always hard when you walk out of the doorway, but that's just the place to start. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance, not like anything we've done before. Oh yeah, now it's time for something better. Après ça, je vais passer du coup à l'aspirateur et clairement, il y avait bien besoin d'un bon coup d'aspirateur. Et pour cela, j'ai reçu de la part de Procénic leur aspirateur, le P13. D'ailleurs, la vidéo est en collaboration avec la marque Procénic et je les remercie de m'avoir très généreusement envoyé leur aspirateur. Concernant l'aspirateur, j'étais vraiment trop contente car niveau déjà du design, je le trouve exceptionnel. Il se fond facilement dans un intérieur et ça, je trouve que c'est un énorme point pour un aspirateur. On en a beaucoup qui sont colorés. En soi, moi, ça ne me dérange pas parce que c'est caché dans la salle de bain. Mais par exemple, si vous avez un petit intérieur ou que vous devez le mettre dans un endroit qui se voit, je trouve qu'il se fond facilement dans un intérieur. Il est gris, d'un gris très très beau, gris noir. Hein. Mais franchement, il est vraiment très très beau et clairement, good good point pour ça. Il est livré avec pas mal de petits accessoires et ce qui est bien, c'est que vous avez une recharge de filtre. Donc vraiment, ça c'est parfait quand vous voulez nettoyer le premier. Bah du coup, vous pouvez mettre le deuxième en attendant. Donc franchement, pareil, niveau organisation et tout ça, c'est le top. Ça évite qu'on se retrouve sans aspirateur. Donc clairement, j'adore. En parlant de filtre, l'aspirateur est doté d'un système de filtration à 5 couches. Donc ça, c'est parfait pour vraiment une aspiration optimum et un nettoyage profond. Vous retrouvez bien évidemment les LED vertes sur la brosse du bas. Vous savez déjà bien évidemment ce que j'en pense. Hein. Je trouve ça vraiment trop bien et méga efficace pour enlever les saletés. Moi, ça a changé ma vie depuis que j'ai goûté aux LED vertes sur la brosse du bas. L'aspirateur est aussi très léger, ce qui rend la tâche clairement très très agréable. On va pas se mentir, on a tous eu des aspirateurs qui étaient vraiment très très lourds et on avait mal au bras. Donc moi ça va, j'ai 66 mètres carrés, mais si vous imaginons, vous avez 120 mètres carrés ou plus,
Clairement, ça doit être très, très désagréable. Celui-là est vraiment très léger, donc c'est vraiment le top. Et d'ailleurs, la marque propose en cette période une offre promotionnelle de 13%, ce qui passe l'aspirateur de 137,99€ à 119,99€ jusqu'au 2 décembre. Donc, clairement, le top. On adore les offres comme ça qui font baisser le prix. Bien évidemment, je vous mets tout en barre de description, l'offre promotionnelle, les liens. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site. N'hésitez pas à aller voir l'aspirateur. Comme je vous dis, c'est l'aspirateur P13 de Procénic. Et clairement, il est vraiment génial. Donc, je vous le recommande. And time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Time we let things go. Is this our destiny? Just like it was meant to be. Yeah. Come run away. Comme vous savez, j'ai ma soeur qui vient manger à la maison. Elle a un rendez-vous, donc du coup, je me retrouve non seulement pas avec un chien, ni deux chiens, mais trois chiens à la maison. Autant vous dire que je viens de passer l'aspirateur, je sais même pas si ça servirait à quelque chose, quoi. Ils vont me cradosser la maison. Hein, Polly ? Momo beauté ! Oui, viens ! Et alors, ma kiki ? Luigi ! Luigi, c'est un petit beagle. Et alors, mon gros ? Oui, viens. Ok, t'es paniqué, t'es stressé. Moi, c'est Millie qui est très stressée parce qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir des chiens. Millie, Millie. Voilà, comme je disais, elle est paniquée. On est bien. Bon, stop. Là, j'ai terminé du coup de passer mon petit coup d'aspirateur. J'ai rangé un petit peu la maison et tout ça. Je sais pas si ça va servir à quelque chose comme je vous ai dit, mais c'est pas grave. J'ai pas le temps de m'occuper, je pense, de faire ça. Le flan, mais non, parce qu'il faut le mettre au four après. Et les macarons, il faut que je déchiffre le truc. Bon, c'est écrit en espagnol, donc ça va le faire. Millie ! Ça va être compliqué de travailler dans ce chantier. Sachant que après ça, il faut que je fasse du coup les deux pizzas. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me stresser. Je ne vais pas me paniquer, tout va bien se passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre d'aller récupérer Juju. Et on va faire le flan pâtissier, lui et moi. Et de base, j'avais dit que les macarons, fallait que je les fasse sans lui. Bah écoutez, qu'on va essayer de les faire avec lui. Ça marche, tant mieux. Ça fonctionne pas, eh ben tant pis. Voilà. Ce sera un fail. Mais ça arrive, des fails. Mais du coup, je vais aller chercher Juju. Et après ça, on va faire le flan pâtissier et les macarons. Et je ferai les pizzas quand on arrivera vers l'heure. Mais là, ça n'est pas encore. Et d'ici là, il y aura Mathis. Donc, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ils sont où, les deux oisillons, là-bas, là? Luigi, il est là. Millie, elle est là. Polly ! C'est le chenil chez moi. Ah non. Par contre, jamais de ma vie... C'est là où on se rend compte. Hein. Jamais de ma vie, j'aurai trois chiens. C'est pas possible. Hein. Même avec une grande maison. Hein. Vous vous rendez compte le bordel que c'est? Comment font les gens qui ont gavé d'animaux? J'adore les animaux. Hein. Vraiment, je les aime d'amour. Hein. Oh, mais autant d'animaux, c'est pas possible. Hein. Luigi ! Viens dire bonjour à maman. Ça, c'est pour la copine de ma sœur, du coup, qui s'appelle Laurie. Ton chien, il va très bien, Laurie. T'inquiète pas, je m'en occupe parfaitement bien. Il adore la chambre de mon fils.
avec la fenêtre. Hein, mon Luigi ? Et alors ? Tu dis coucou à maman ? Ok. Pas de souci. Il n'y a personne qui veut dire bonjour. Tout le monde est sauvage ici. Bon, allez, c'est parti. Go, je m'en vais. Je vais rentrer. J'espère qu'ils vont rien m'avoir cassé. À tout moment, le sapin, il est par terre. C'était bien l'école, mon chaton ? Est-ce que c'était bien, la cocole ? Qu'est-ce que t'as, mon cœur ? T'es pas d'humeur ? Qu'est-ce qu'on va faire, là, en rentrant ? On est dans le noir. On va faire le gâteau de qui ? De qui ? Mais non, mon cœur, on va faire le gâteau de Tata Marraine. Tata Mélanie. On y va ? We never said exclusive. I just promised you my time and I'm giving it. En rentrant, du coup, je me suis directement mis à faire le flan. Et comme vous l'avez vu dans la voiture, Juju n'était pas trop en forme. Je crois qu'il était fatigué. La maîtresse m'a dit qu'il n'avait pas fait la sieste à l'école. Du coup, il a clairement pas voulu faire le flan avec moi. Donc, je ne l'ai pas obligé. Du coup, je me suis mis à le faire toute seule. Puis après, c'était quand même assez simple. Il fallait juste mettre 1,5 litre de lait dans une casserole à mettre à chauffer. En attendant que ça chauffe un petit peu, je suis venue préparer ma pâte. Parce que moi, j'aime les flans avec de la pâte feuilletée et pas simplement juste du flan comme ça. Du coup, j'ai préparé ma pâte, je l'ai piquée et je l'ai remis au frigo en attendant. Et quand je suis revenue du coup à ma casserole, très très simple comme je vous ai dit, il suffisait de mettre le lait à chauffer et de directement venir verser le contenu du sachet, donc du coup qu'il y avait dans la boîte Elsa, progressivement tout en continuant à remuer. Et après, bah, vous remuez jusqu'à attendre que ça épaississe et que ça devienne un petit peu comme une crème pâtissière. Un petit peu pour vous illustrer la texture que ça doit avoir. Un petit peu comme une crème pâtissière. Très très simple quoi. Et après vous n'avez plus qu'à prendre du coup votre crème qui a bien chauffé et qui du coup a bien pris sa forme homogène. Vous venez la mettre du coup dans votre pâte et après ça au four à 180 degrés pendant à peu près 45 minutes. C'est quand même assez long au niveau de la cuisson mais voilà. Franchement ça vaut le coup parce que les flans pâtissiers c'est vraiment super. Bon. Bon, là, moi, je l'ai fait avec un paquet Alza, pardon, parce que j'avais clairement pas le temps aujourd'hui de faire un truc maison. Et je voulais que ça soit rapide et à l'arrivée. Heureusement que je l'ai pas fait parce que vous allez voir à la fin, il y a une petite galère qui m'est arrivée. Mais voilà, clairement, pour être objectif, je trouve que déjà, c'était presque pas sucré. Donc moi, ça m'a dérangé, même si je suis pas fan des gâteaux trop sucrés. Là, pour le coup, c'était limite un peu fade. Au niveau de la vanille, on sentait pas non plus des masses la vanille, donc clairement un petit peu déçu. Il était bon, mais c'était un peu plat, quoi. Donc clairement, je vous recommande pas de l'acheter. Ça vaut clairement plus le coup de le faire maison. Même si oui, bien évidemment, ça va prendre plus de temps. Là, moi, je l'ai fait en même pas 10 minutes. Alors que j'en aurais fait un maison, ça m'aurait pris plus de temps. Mais franchement, vaut mieux en faire un maison et qu'il soit bon qu'en acheter un déjà presque tout fait. Mais à l'arrivée, ça manque de goût, quoi. Voilà, c'était mon avis. Mais c'était mangeable et c'était pas mauvais. Voilà. Your emotions running wild. If you don't calm down, I can't stay. Breathe in, breathe out. Let me speak now. What happened was a one-time thing. No bullshit, no lie. I swear I'll try to give you my everything. Baby, can't you... Tant que le gâteau était au four et que bien évidemment je n'étais pas en train de me rendre compte du problème qui allait pointer le bout de son nez, je pense que vous allez vite capter de toute manière que déjà c'est en lien avec le gâteau. Donc bon, je suis venue du coup réaménager un petit peu le salon, mais alors très vite fait, je peux vous assurer que trois chiens à la maison, j'ai passé juste l'après-midi avec eux. J'ai l'impression que ça faisait des semaines que j'étais avec trois chiens à la maison. C'est un taf d'avoir trois chiens à la maison. Déjà, ils sont toujours dans vos pattes. Bon, après, c'est des chiens, donc c'est normal, mais quoique la mienne, elle est jamais dans mes patounes, en vrai. Mais là, ils étaient tous dans mes pattes. T'en as un qui aboie, les trois aboient. Il y en a un qui a soif, les trois ont soif en même temps. Mais un truc, j'étais mort de rire toute la journée de les voir ensemble. Et en même temps, j'étais là, oh mon Dieu, ils m'ont fatiguée alors que j'ai rien fait non plus d'extraordinaire. Je les ai même pas sortis en balade, quoi. Donc, c'est pour vous dire.
Bon, je ne les ai pas gardées toute l'après-midi, mais comme après, il y a ma sœur qui est rentrée et tout ça, avec Mathis et tout, on a sorti des chiens. Mais voilà, quoi. Moi, je n'ai pas fait faire de balade toute seule. Oh, non, mais déjà, toute seule avec 3 chiens, vous imaginez? Oh mon Dieu, c'est eux qui vont me balader, puisque moi qui vais les balader. Bref, du coup, je disais, j'ai poussé mon canapé, je suis venue passer l'aspirateur, parce que bien évidemment, il y a toujours des jouets sous le canapé à Juju et de la poussière. Et je suis venue le coller, du coup, contre ma fenêtre pour qu'on puisse avoir un plus grand espace au niveau du salon. De base, j'avais pas prévu de faire ça. J'avais prévu qu'on prenne le gâteau sur la petite table basse, sur le canapé, sur les chaises et tout ça. Sauf qu'étant donné qu'on a les 3 chiens, je me suis dit, j'ai pas envie que ce soit la guéguerre parce qu'il y aura de la nourriture et qu'ils seront 3 là à se guetter, à savoir s'il y en a pas un qui va chipper quelque chose. Et donc, j'avais pas envie de faire des histoires entre les animaux. Donc, je me suis dit comme quoi qu'on allait se mettre sur la table. D'autant plus que moi, Millie, elle a un rapport avec la nourriture, je vous dis pas, c'est sacré. Luigi, bah, c'est un beagle, hein, donc c'est très goulu, un beagle. Donc autant vous dire que vous laissez ne serait-ce qu'une seconde du pain sur la table, il vous en fait qu'une bouchée du pain. Donc clairement, on va aller mieux être sur la grande table que sur la petite table basse parce que vous voyez sa hauteur, il est à hauteur de table basse. Donc clairement, adieu le gâteau. Bref, du coup voilà, une fois que ça s'est fait, je suis passée aux pizzas parce que comme je vous ai dit, ma sœur mangeait avec nous le soir, mais il n'y avait que elle parce qu'après c'était juste un dessert avec la famille. J'ai décidé de faire des pizzas maison. Du coup, pour la première pizza, j'ai fait très très simple, une pizza aux légumes. Et la deuxième pizza, j'ai fait une pizza un peu plus gras, un peu moins light, clairement. Une pizza façon tartiflette raclette, voilà, avec du bon fromage, vous l'avez compris. Mais la première, du coup, base crème, poivron, champignons avec un petit peu de ricotta sur le dessus. C'était la première fois que je testais avec la ricotta. Généralement, je mets du chèvre ou du fromage, autre fromage, du fromage à pizza ou des choses comme ça. Sauf que là, j'avais complètement oublié d'en aller au magasin, je vous dis, j'ai oublié d'acheter la moitié des trucs. Donc du coup, j'avais de la ricotta au frigo et j'ai testé et franchement, c'était super bon. Ça rendait la pizza avec un côté bien crémeux. Donc du coup, j'ai vraiment super bien aimé. C'était pas français, mais vous m'avez compris. Comment vous dire que je suis fatiguée et j'ai l'impression que mon four ne fonctionne plus. Du coup, je suis un peu deck parce que j'ai prévu de faire des pizzas. Mais en fait, vous savez, il y a deux sources de chaleur. Il y a deux sources de chaleur, une en haut, une en bas. Et j'ai l'impression que celle du haut ne fonctionne plus. Mais bon, du coup, celle façon tartiflette raclette avec les pommes de terre, les lardons et le fromage à raclette toujours en base crème. Bon, j'aurais dû normalement inverser. Celle-là aurait dû être sur la ronde et celle-là sur la rectangle. Mais c'est pas grave, écoutez, là, je suis épuisée. Et celle-là, du coup, poivron, champignon, ricotta. Je sais même pas si vous m'entendez avec Julio qui raconte toute sa journée à son père. Base crème, toujours. Voilà.
deux pizzas. On est quatre, ça devrait largement suffire. En plus, j'ai oublié d'acheter de la salade. Du coup, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, ça ira pour ce soir. Bon, j'ai mis les pizzas au four. Le gâteau est sorti. Bien évidemment, je vais vous montrer le résultat après. Un petit peu d'aigle de cette fin de journée puisque le four du coup ben, est en train de lâcher. Heureusement il est encore garanti donc on va y aller ce week-end pour le faire reprendre. Je vais vous laisser ici parce que là clairement je suis épuisée. Je me suis couchée tard déjà la veille, je me suis couchée à 3h du matin pour que la vidéo de Noël puisse sortir. Plus cette journée-là, là clairement je suis morte. Il faut encore que je range le bazar à Juju, que je mette la table, sachant que là il a fait un dessin pour l'anniversaire de sa tata. Voilà, je vais vous laisser ici. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces, de vous abonner. N'oubliez pas le code promo du coup pour l'aspirateur si ça vous intéresse. Vous avez tout de toute manière en barre de description comme je vous ai dit. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.